Monsieur le député, monsieur le maire de Chauvigny, mesdames, messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, monsieur le représentant de la gendarmerie commandant la brigade de Bélabre, monsieur le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Bélabre, messieurs les représentants des associations d'anciens combattants et d'anciens résistants, monsieur le président du Souvenir français, mesdames, messieurs, jour pour jour, nous sommes toujours là pour commémorer les tragiques événements de la journée du 10 juillet 1944. Il y a 72 ans, en début d'après-midi, un détachement de l'armée SS envahit la commune de Bélabre. Le maire, Anatole Ferrand, doit faire exécuter l'ordre, rassembler tous les hommes de 14 à 70 ans sur la place, entre la boucherie Moreau, à l'époque, et l'église. C'est le garde champêtre au four qui est chargé de faire l'annonce. Les hommes sont rassemblés. Anatole Ferrand et l'abbé Pigeot négocient, argumentent avec l'occupant nazi. Ils vont jusqu'au cimetière, montrer au colonel SS les deux tombes des soldats allemands tués à Scoury quelques jours auparavant. Le matin même du 10 juillet, le maire et le curé, alertés de l'arrivée des SS, avaient fait déposer un bouquet de fleurs sur chacune des tombes. Anatole Ferrand déclare « Tous ces gens sont innocents. S'il y a un responsable, c'est moi. Fusillez-moi et faites leur grâce. » Le curé Pigeot, croyant que tout est perdu, dit aussi « Fusillez-moi aussi, mais faites leur grâce. » Devant la détermination de ces deux interlocuteurs, l'officier SS se sent convaincu et donne l'ordre de quitter les lieux. Bélabre est sauvé. Sauvé, oui. Mais il ne faut pas oublier à quel prix. Le prix du sang de celles et ceux qui se sont battus pour la liberté de notre peuple et de notre pays. Ceux qui sont tombés ce même jour à la Clavière, à Lignac, au Dessant, à Ciron et dans le bois de Baillé. Ceux-là même qui avaient répondu à l'appel du général de Gaulle, relayé par Jean Moulin. Des femmes et des hommes qui portaient haut les valeurs de notre République. Souvenons-nous de celles et ceux qui sont entrés au panthéon de l'histoire. Mais souvenons-nous aussi des anonymes, des humbles, qui par leur action ont permis la défaite des occupants et la victoire des alliés. Je pense aujourd'hui à Marcel Nibodeau, à Guy Bray, toujours présent à nos côtés, à Jean Arnaud et à Roland Vaucel, dernier survivant et témoin de ces événements. Je pense aussi tout particulièrement à René Rabussier, disparu en janvier, et qui était encore avec nous il y a un an. Il a contribué au devoir de mémoire de cette commémoration. Je salue aussi la mémoire du capitaine Louis Doyen. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de dire à la jeunesse qui étaient-ils. Ces gens qui venaient de tous horizons politiques, religieux, de toutes convictions et de tous les métiers. Ils étaient la France du courage, la France déterminée. La France des valeurs républicaines, d'égalité, de fraternité et de liberté. C'étaient les résistants. Et encore aujourd'hui, leur chant résonne. Je laisse à Pierre Brossolette la conclusion de ces quelques mots. L'histoire dira un jour ce que chacun d'eux a dû d'abord accomplir pour retrouver dans la France combattante son droit à la mort et à la gloire. On dira quelles odyssées il leur aura fallu passer pour s'immortaliser dans leurs Iliades. Passagers clandestins des derniers bateaux qui se sont éloignés de la France terrassée. Humbles pêcheurs franchissant sur des barques les tempêtes de la Manche. Marins et coloniaux ralliant des convois ravagés par la torpille. Risque-tout affrontant les Pyrénées. Prisonniers évadés des camps de l'ennemi. Détenus évadés des bagnes de la trahison. Il a suffi qu'en ces jours de juin dont nous fêtons l'anniversaire, un homme leur ait crié « Je vous convie à vous unir avec moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance, pour qu'ils se lèvent tous, pour que ceux qui n'appelaient plus la mort que comme une délivrance y accourent, y cherchaient un accomplissement, et pour que d'un seul geste sortant du banal, ils entrent dans le sublime. » Colonel de 30 ans, capitaine de 20 ans, héros de 18 ans, la France combattante n'a été qu'un long dialogue de la jeunesse et de la vie. Les rides qui fanaient le visage de la patrie, les morts de la France combattante les ont effacées. Les larmes d'impuissance qu'elle versait, ils les ont essuyées. Les fautes dont le poids la courbait, ils les ont rachetées.
en cet anniversaire du jour où le général de Gaulle les a convoqués au banquet sacré de la mort, ce qu'il nous demande, ce n'est pas de les plaindre, mais de les continuer. Ce qu'ils attendent de nous, ce n'est pas un regret, mais un serment. Ce n'est pas un sanglot, mais un élan. Ce discours de Pierre Brossolette a été prononcé le 18 juin 1943. Merci.